meaning of life. You want to know what it is? Love yourself. That's it. Love yourself. That's what I think it is. Just love yourself. Chers frères et sœurs, il y a de nombreuses histoires de conversion que nous entendons et partageons souvent. Mais celle que nous sommes sur le point de vous raconter est véritablement extraordinaire et émouvante, car elle concerne l'un des acteurs américains les plus remarquables, Jim Carrey. Les mots que nous allons bientôt écouter sont réellement touchants et atteignent le cœur de chacun d'entre nous. Nous avons toujours connu Jim Carrey pour son style comique inimitable dans des films emblématiques tels que Ace Ventura et The Mask. Cependant, avec le temps, nous avons découvert une autre facette de son talent, celle dramatique, à travers des rôles mémorables dans The Truman Show et Man on the Moon. Au-delà de sa carrière cinématographique, Jim a toujours démontré une profonde sensibilité spirituelle et un engagement envers les questions sociales, se mettant parfois en opposition avec le même milieu du spectacle qui l'a rendu célèbre. Ces dernières années, la vie de Jim a cependant pris un tournant dramatique, marqué par la perte tragique de son ancienne compagne Catriona White, qui a choisi de mettre fin à sa vie. Cet événement a déclenché une tempête médiatique et juridique contre Carrey, accusé par la famille de White d'avoir été une cause de son geste extrême, le pointant du doigt pour des comportements qui auraient dévasté l'estime de soi de Catriona et même de l'avoir exposé à des substances nocives et à des environnements dégradants. Le combat juridique qui a suivi s'est conclu en 2018 par un verdict d'innocence de la part du tribunal de Los Angeles. Mais pour Jim, le processus intérieur venait juste de commencer. Cette période sombre a marqué le début d'une profonde réflexion personnelle, un voyage intérieur qui l'a conduit à redécouvrir et à embrasser la foi chrétienne. Cette conversion n'a pas seulement été un refuge spirituel face aux tempêtes de la vie, mais une véritable renaissance, une façon de trouver un nouveau sens et une nouvelle direction. Mais ce sont précisément ces mots qui émeuvent et rendent claire sa conversion. And ultimately, I believe that suffering leads to salvation. And in fact, it's the only way that we have to somehow accept and not deny, but feel our suffering and feel our losses. And then we make one of two decisions. We either decide to go through the gate of resentment, which leads to vengeance, which leads to self-harm, which leads to harm to others, or we go through the gate of forgiveness, which leads to grace. And your being here is an indication that you've made that decision already. You've made the decision to walk through the gate of forgiveness to grace, just as Christ did on the cross. He suffered terribly, and he was broken by it to the point of doubt and a feeling of absolute abandonment, which all of you felt. And then there was a decision to be made. And the decision was to look upon the people who were causing that suffering, or the situation that was causing that suffering, with compassion and with forgiveness. And that's what opens the gates of heaven for all of us. So I wish that for all of you. I wish that for myself. I know that, you know, no matter what I've suffered, most of you have suffered worse than that. But that's why I admire you, because you're here, you know? And you will have grace, because this decision has been made. So I'm so glad to be with you. Chers frères, les mots de Jim Carrey sont vraiment émouvants. Et aujourd'hui, en réfléchissant à sa vie et à ses épreuves, nous pouvons trouver de l'inspiration. Son parcours nous rappelle que,
malgré les défis et les tragédies que la vie peut réserver à chacun de nous, il existe toujours la possibilité de renaissance et de renouveau à travers la foi. L'histoire de Jim est un témoignage puissant de la façon dont, même dans les moments les plus sombres, nous pouvons trouver la lumière, si seulement nous sommes prêts à la chercher avec un cœur ouvert et un esprit renouvelé. L'histoire de Jim Carrey vous a-t-elle inspiré? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux vidéos et rejoindre notre communauté de foi et de prière. Que Dieu bénisse nous tous.